Je peux voir la couronne, s'il vous plaît. La couronne, je vous prie. Ne nous attardons pas, mademoiselle. Votre avion décolle dans 45 minutes. Je sais, monsieur Russell. Merci. Merci. Je m'appelle Aline Masterson. Je représente le musée des Beaux-Arts de Manhattan. Très heureux, mademoiselle. Voilà, pour aller droit au but, la couronne royale de Bosnie a été volée hier. Et malheureusement, c'est moi qui suis victime de cette mésaventure. Curieux. Je m'étais laissé dire que ce petit joyau était un bien national. Je ne vois pas le rapport. Vous parlez de cette couronne comme si on l'avait volée dans votre coffre à bijoux. Le fait d'avoir signé une décharge me rend directement responsable. Je transporte régulièrement des objets de valeur. Je n'ai pas l'habitude de perdre ce qu'on me confie. En outre, je n'ai pas l'intention de me laisser voler cette couronne comme s'il s'agissait d'un vulgaire sac à main. Je veux que vous la retrouviez. Excusez-moi, mais pourquoi moi, justement? Comme ça, à cause de votre réputation. Et aussi de ce qu'on dit. Et on dit quoi? Que vous êtes efficace, moyennant un certain prix. J'ai un bar qui suffit à occuper mes journées. À votre place, j'irai trouver la police. C'est ce que nous avons fait, mais ces messieurs sont assez lymphatiques. Monsieur Webster, Monsieur Russell, de la New York Meridian Company. Et c'est sa compagnie qui a assuré la couronne royale. Et Monsieur Russell est prêt à payer 50 000 $ pour la récupérer. Votre compagnie est généreuse? C'est relatif. Le gouvernement autrichien lui en a proposé 500 000. Mais vous voulez garder à cette affaire un caractère plus privé, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est là que vous intervenez. On m'a répété, ce n'est un secret pour personne, que certains de vos clients ont un passé un peu douteux. Et dans un bar, on parle de choses et d'autres. Vous oubliez un tout petit détail. L'argent. Nous y arrivons. Quels sont vos honoraires? N'insistez pas. Je ne travaillerai pas pour vous. Salut. Salut. Salut, Fritz. J'ai un travail pour vous. Décidément, c'est le jour. Ça concerne la couronne de Bosnie. J'ai refusé il y a à peine une heure. Vous
Mademoiselle Masterson est une personne déterminée qui aime les décisions rapides. J'ai cru comprendre que la police l'agaçait un peu par la lenteur de son intervention. Comment est-ce que vous êtes au courant? Je n'en sais rien. Le hasard, sans doute. Franchement, peu importe. La couronne se trouve avoir été confiée au musée des Beaux-Arts de Manhattan. À la minute où Mademoiselle Masterson a signé cette décharge, elle devenait légalement responsable de la marchandise qu'on lui avait confiée. La jeune femme est une citoyenne américaine, nous devons assumer nos responsabilités. En parler pour vous? Je suis très occupé. Jack, les voleurs ont abandonné la voiture à quelques kilomètres de l'aéroport. C'est plutôt léger comme indice. Eh ben, courage, mon vieux. Oui, enfin, j'espérais que vous me donneriez un coup de main. Allez téléphoner à la fille que vous marchez. Ça vous découragerait si je vous disais que je n'ai pas son téléphone? J'écoute. Jack, une dame, c'est pour vous. Dites oui. Qui vous dit que c'est elle? Oh, ça va. Plus de 1000 ans d'existence. Et regardez cette merveille. On ne discerne même pas une rayure sur les pierres. On pourra les retailler? Ah oui, ça oui. Ça ne serait rien s'il fallait vraiment s'y résoudre. Quel dommage pourtant de saccager ça. Allez, pose ça, c'est pas le moment de faire joujou. Il y a du suspense dans l'air aujourd'hui, on dirait. Oui, pourquoi? À cause d'une babiole qui a disparu. Vous êtes prêt à traiter? Ça dépend du prix, c'est à voir. 50 000. Si on poussait jusqu'à 200. Vous êtes gourmand. Comment savoir si vous avez l'objet, s'il n'est pas trafiqué? Je vous ferai parvenir mes instructions. Et des preuves. Rappelez-vous que la maison vous est toujours ouverte. On s'en souviendra. Monica, une bonne bouteille pour mes amis, c'est ma tournée. De la photo, la couronne était toujours intacte. Puis-je faire confiance à Jack Webster? Vous n'avez pas tellement le choix, chère mademoiselle, puisque vous avez déjà fait appel à ses services. Vous me désapprouvez? Ce n'est pas mon rôle, mademoiselle. C'est vrai, votre rôle, comme vous dites, est d'abord de faire des enquêtes. Mais il faut agir vite si on veut retrouver les voleurs. Retrouver les voleurs et empocher la prime que l'assurance paierait. Sincèrement, vous lui feriez confiance? Pas vous? Elle est là avec l'argent? Vous êtes en avance. Il ne devrait pas tarder. C'est si rare de pouvoir s'offrir du personnel hautement spécialisé. Comme vous. Remarquez, je crois que vous êtes correct. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Rien, une constatation idiote comme ça, en passant. À ce compte-là, vous devriez faire la transaction avec 50 000 dollars. C'est bizarre que la somme ait quadruplé, non? Je suis d'un tempérament docile. Écoutez, si vous avez le moindre doute sur mon honnêteté, c'est pas la peine d'insister. Ça m'emballe déjà pas tant que ça. Je suis désolée. Je n'ai pas réfléchi. Au contraire. J'ai quand même le droit de m'interroger. Et moi alors? N'importe qui peut être soupçonné. Il n'y a jamais eu de secret. Tout le monde connaissait l'existence de cette couronne et sa destination. Vous avant tout autre.
Voilà l'argent. Parfait. Si vous voulez bien signer le petit reçu. Bien sûr. Dès que j'ai récupéré la couronne, je vous appelle. Je ferai le plus vite possible. Vous avez toutes les instructions? Oui. J'ai rendez-vous avec le docteur Reiner. J'ai la somme, où est la couronne? Patience, monsieur Webster. Vous allez vous rendre au distributeur en face du théâtre municipal. Vous achèterez un journal. Dedans, vous trouverez une enveloppe. Ouais, bon, et alors? Vous vous doutez bien que vous êtes surveillé. J'ai l'intelligence d'y aller seul. Pour l'instant, c'est tout. Ça fait deux fois que je fais le tour de la ville. Si vous ne voulez pas l'argent, il faut le dire, hein. La dernière étape, monsieur Webster, Grinzing. Vous devrez être à l'endroit que je vais vous indiquer 15 minutes après que j'aurai raccroché. Si vous êtes en retard, la couronne disparaîtra. À jamais. Mais je ne pourrai jamais être là-bas en 15 minutes. Vous ferez un effort, j'en suis sûr.
Monsieur Webster. Monsieur Webster. Heureux de vous rencontrer, Monsieur Webster. Oh non. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Je lui ai téléphoné dès que je vous ai trouvé. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Excusez-moi, mon cher, de vous le faire remarquer. Je pourrais vous poser la même question. Je travaille pour Mademoiselle Masterson. Ah oui, c'est vrai, vous cherchez une couronne que vous n'avez pas trouvée, semble-t-il. Et les billets de banque ont disparu? J'étais sûr que vous alliez me demander ça. Adieu. Comme vous voulez, adieu. Vous vous faites voler 200 000 dollars et c'est tout ce que vous trouvez à dire. Monsieur le commissaire, j'ai l'intention de porter plainte. J'ai peur, hélas, que ce ne soit tout à fait impossible, Mademoiselle Masterson. Vous avez choisi de traiter avec Monsieur Webster plutôt qu'avec nous. Il y avait des risques. Alors, comment vous sentez-vous, Monsieur Webster? Courbattu. Je compatis à tous vos malheurs, Monsieur Webster. Vous avez mal à la tête et j'ai un petit bout de papier. La décharge ajoutée à ce petit reçu, ça fait deux petits bouts de papier. Avez-vous une idée de la valeur qu'il représente? Oh, plus ou moins, plus, mais... beaucoup plus, cher monsieur. La New York Meridian opère sur les mêmes bases que la Lloyd. En tant que co-signataire, j'ai exactement les mêmes responsabilités que ceux qui ont accepté de signer l'assurance avec moi. C'est la première fois que je traite une affaire de pareille envergure. Je m'aperçois que le résultat est assez décevant. C'est ce que j'appellerais les risques de nos métiers. Non, du vôtre. Moi, je suis couvert. J'ai votre reçu signé pour une somme de 200 000 dollars, noir sur blanc, sur le papier. Légalement, vous êtes redevable de cet argent. Si je vous donnais 10 shillings pour commencer. Dites donc, et si avec son air candide, la fille trempait dans la terre? Oh, ce n'est pas son genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle est honnête. Vous l'avez vérifié? Oh, je vous en prie, il n'y a rien contre elle, juste une contravention pour stationnement interdit. D'un autre côté, on dit qu'elle sait utiliser des gens qui peuvent servir sa carrière professionnelle. Et en priorité, ceux du sexe fort. Dans des affaires, comment dire, un peu curieuses, un peu embrouillées, mais sans scandale. Chantage, par exemple. Ça m'étonnerait, car d'autre part, elle a bonne réputation. Élément dynamique, doué d'intelligence, de surcroît compétente dans son métier, et n'utilisant le divan que pour grimper d'un échelon. Oui. De là à basculer dans le domaine de l'escroquerie, il n'y a qu'un pas. Ne dit-on pas que c'est le premier pas qui compte? Si j'avais su que vous alliez venir... Vous auriez mis du poison dans le vin. J'étais curieuse de connaître le meilleur bar américain de la ville. Flatteuse. Non, c'est vrai. Je me demandais ce que vous comptiez faire. Boire une bière. Pour l'argent et la couronne. J'ai une petite idée, à vous de la découvrir. J'aime bien les devinettes. La dernière fois que vous y avez joué, j'ai hérité d'une bosse et d'une dette de 200 000 dollars. N'oubliez pas que je vous ai à l'œil, Monsieur Webster, et que je ne suis pas femme à accepter un échec sans me défendre. Il y a de l'orage dans l'air. La dame pique sa crise. Je la trouve charmante. Monsieur Webster, sans doute. Salut, Auguste. Vous savez pas à quoi j'ai pensé en me réveillant?
Hein, Auguste? Non. Je me demandais si j'avais un travail un peu spécial, un peu délicat, un peu, disons, exceptionnel à faire, où je pourrais bien aller. Vous avez pensé à moi? Peut-être pas une bonne idée. Je sais pas si je dois en être flatté, monsieur Webster. Où est la couronne royale, Auguste? Comment ça? Quelle couronne? Je comprends pas. Je cherche la même chose que lui. Oui, on s'expliquera tout à l'heure, d'ailleurs. Parlez-moi de la couronne. Oh, monsieur Webster, c'est injuste. J'ai peut-être un passé pas trop catholique avec des petites irrégularités, mais enfin, il faut tout de même. Voyons, Auguste, tout le monde connaît votre talent pour retailler les pierres précieuses. Mais je n'ai jamais volé, vous entendez, pas un centime. Je ne suis qu'un pauvre artisan. Monsieur Webster, est-ce que vous me croyez vraiment capable d'un tel acte de vandalisme sur un joyau aussi rare? Non. À moins qu'on vous propose beaucoup d'argent. Monsieur Webster! Vous avez tort, l'argent ne peut pas tout acheter. Vous vous êtes trompé de porte. Auguste se défend trop bien. C'est tout à fait mon avis. Où allons-nous? Vous ne jouez plus les détectives? J'ai l'impression que vous vous faites un point d'honneur de mener cette affaire à bien. Comme c'est aussi mon but, je vous suis. Alors, montez. Voyez comme c'est dommage que ma famille ait dû renoncer à un palais comme celui-là. Grand-père aimait la vue qu'on avait de cette fenêtre. Votre arrière-grand-père? Oui, c'est juste. Cela se passait bien avant ma naissance. Et il ne m'en reste que de vagues récits. Je suis intéressé par votre offre, cher monsieur, mais il n'a pas été fait mention de prix. Faites le vôtre. Mon prix? Mon Dieu, pour un bijou de famille, 500 000 dollars serait très convenable si vous savez être discret. On vous contactera. J'en conclus que mon offre est acceptable. Vous prendrez bien un verre? Oui. Quel bon dîner. J'ai passé une délicieuse soirée. Merci. C'est moi qui vous remercie. Oh, j'ai mal aux pieds. On en a fait du kilomètre. Si quelqu'un a vu quelque chose, motus et bouche cousue. Je ne sais pas, mais je crois que le joaillier n'est pas aussi innocent qu'il en a l'air et qu'il est mêlé à cette affaire. J'ai l'impression que je l'ai déjà vu quelque part. Oui, je l'ai déjà rencontré, mais je ne sais plus où. Dans l'affaire, Auguste n'est qu'un pauvre petit figurant. Et quand on vous offre 200 000 dollars, c'est tentant. Ça dépend des gens. On peut aussi vous faire une meilleure offre. Qui ça on? On sait rien. Association, particulier, à votre avis? Donnez toujours le vôtre. Vous êtes mieux placé que quiconque. Sans doute, mais soyez plus explicite. Voyons. Ne seriez-vous pas la suspecte numéro un? Mais et vous alors? C'est vous qui avez vu les 200 000 dollars en dernier, et vous saviez où était la couronne. Qui me prouve à l'heure actuelle que vous n'avez pas gardé les deux, argent et couronne? Pas mal. Mais j'espère que vous êtes plus doué dans un lit que pour faire de l'esprit, parce que dites donc. Fichez le camp d'ici tout de suite. Bonne nuit. Pourquoi
êtes-vous venu ici? On avait convenu qu'en cas de besoin, je me dérangerais. Il y a du nouveau. Nous avons une offre pour la couronne intacte bien plus importante que si nous l'avions démontée. En plus, nous évitons les risques d'identification des pierres. Le prince Hollenberg s'en rend acquéreur. Il paraît que sa collection privée est unique. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? C'est ici que nos routes se séparent. Nous n'avons plus besoin de vous. Ah ça, non, c'est inutile. J'ai travaillé avec d'autres. Je n'ai jamais trahi personne, je vous jure. Je suis désolé, mais je ne peux prendre aucun risque. C'est une véritable maladie. Où que vous alliez, on trouve sur votre chemin des cadavres comme s'il en pleuvait. Alors là, vous n'êtes pas très juste. Vous n'avez pas trouvé un seul cadavre depuis au moins une semaine. Vous étiez peut-être en voyage. Vous savez que vous avez de grands talents de comédien. Pouvez-vous m'expliquer le motif de votre présence ici? Comme ça? Juste pour savoir? C'est d'une banalité à pleurer. Je suis venu ici avec une amie, elle a acheté un bracelet qu'elle a voulu faire graver à son nom. Il devait être prêt ce matin et je suis venu le lui chercher. Vous êtes d'un naturel enviable. Est-ce beaucoup exagéré de prétendre que cette amie est Mademoiselle Masterson? Exagéré, non, mais sans doute pas très galant. J'ai d'autres cordes à mon arc. Je constate les faits, la couronne n'est toujours pas là. Et je vous retrouve devant la boutique du joaillier, le nez au vent. Drôle de coïncidence, vous ne trouvez pas? C'est ce que je me disais aussi. Disparaissez. Pour l'instant. De dos, la ressemblance est frappante. Pardon? Au fait, vous aviez raison à propos d'Auguste, il a eu des contacts avec Paris, Rome, Amsterdam et Londres. Rien de vraiment précis, mais il voulait sûrement joindre des trafiquants. En clair, celui qui a la couronne voulait faire enlever les pierres de la monture pour les écouler, d'où Auguste. C'est logique, mais depuis, Auguste est mort. Oui. En réalité, nous nous trouvons devant deux hypothèses. Ou la couronne, à l'heure où nous parlons, a déjà été mise en morceaux, où ils ont trouvé un amateur pour le bijou intact qui leur a fait une meilleure proposition. Dans les deux cas, Auguste est hors circuit, mission accomplie. Je crains que la vôtre ne commence. Bien des choses à votre cher ami. Je compte sur vous, n'est-ce pas? Sincèrement, Jack, j'ai bien fait de suivre vos conseils. Salzbourg est une ville tout à fait charmante. Puis-je vous parler? Bien sûr, excusez-moi. Je crois que je vous dois des excuses. J'ai eu tort, mais j'avais de bonnes raisons de douter de votre bonne foi. Je croyais que vous aviez gardé l'argent de la prime. Vous avez bien dit, j'avais de bonnes raisons. J'ai réfléchi longuement à ce qui s'est passé depuis le début de cette histoire et j'en ai déduit que vous n'êtes pas du tout le personnage que j'imaginais. Celui-ci vous est plus sympathique? Non, mais je suis sûre que vous faites le poids. Et j'ai confiance. Merci à vous. Je suis là, je vous parle. Et vous croyez tout savoir de moi. Quelle erreur. Dans notre métier, vous savez, on ne pose jamais de questions. Jack, il faut que vous sachiez que j'ai transporté des œuvres d'art un peu partout dans le monde.
et que j'ai toujours mené à bien les missions dont on me chargeait, sans un vol, ni une égratignure. Là où j'ai grandi, il n'y avait pas de place pour les œuvres d'art. J'ai mis des années et des années pour me sortir de l'ornière. Je ne veux pas courber la tête. Pas devant un voleur qui n'a qu'un mérite, celui d'avoir assez d'argent pour s'offrir la couronne de Bosnie. Je dois et je veux la récupérer. Je suis prête à tout pour ça. Vous verrez, on y arrivera. Pas en restant assis. Or, il faut nous remuer, allez, Jack. Nous remuer? Je vais vous aider. Vous m'avez engagé pour remplir un contrat. Rien échangé. Vous? Vous attendez tranquillement le retour du guerrier. Oui, Jack. Tout dans votre appartement témoigne d'un goût très sûr pour les antiquités, Monsieur Russell. Oh, ce bureau en particulier est une merveille. Une petite folie, mais je ne regrette pas d'avoir pu l'acquérir. Je vous en prie, Altesse, veuillez vous asseoir. Je crois que nous pouvons directement entrer dans le vif du sujet, la couronne. Altesse, il y a certaines garanties que nous aimerions avoir avant de conclure la petite transaction. Précisez. Eh bien, ce n'est un secret pour personne. La filiation de votre nom est quelque peu, comment dire, imprécise. La chose n'est pas d'une importance capitale, puisque vous demeurez malgré tout le dernier héritier du trône, même si le fil qui vous y relie est un peu mince. Oh, non, ce n'est pas offensant, Altesse. Je n'invente rien. Mesurez vos propos, Monsieur Russell. La fortune en actions pétrolières que ma filiation imprécise, comme vous dites, m'a permis de posséder, est des plus confortables. La chose est connue. Et puis, je suis sûr que vous êtes plus intéressé par mes millions que par ma généalogie. Altesse, la garantie que nous voulons est que la couronne ne doit pas sortir du domaine très privé de votre collection. Elle ne devra jamais être exposée en public. Cette précaution, afin de, disons, d'éliminer d'éventuelles difficultés pour nous deux. La couronne est à moi. Elle est légalement ma propriété. Et s'il se trouve que personne d'autre que moi ne peut la contempler, je m'en contenterai. Excusez-moi. Oui? Oui. J'en ai pour un instant. Lui-même? Alice Masseson, à l'appareil. J'aimerais vous parler de choses très importantes. Concernant l'assurance? C'est une manière de parler. Et disons l'assurance que je conserverai mon emploi en évitant la prison. Soyez assez aimable pour me donner quelques détails. Oui, avec joie. D'une part, j'ai noté qu'à part moi, vous avez été une des rares personnes à savoir avec précision le lieu et l'heure du transfert de la couronne. Ensuite, je me suis demandé pendant longtemps où j'avais vu le fameux Auguste. Je viens de me souvenir que c'était dans votre bureau. Et enfin, de qui est venue l'idée d'offrir au voleur 50 000 dollars pour récupérer la couronne sinon de vous? Et vous n'avez pas eu un mot de protestation quand Jacques Webster est venu dire qu'il fallait quadrupler la somme? Oh, bien sûr que c'était votre argent, mais vous allez le récupérer. À vrai dire, tout cela ne me paraît pas tellement inquiétant. Parfait. Nous verrons ce qu'en dira la police. Je comprends. Si vous avez d'autres renseignements concernant cette question, le mieux serait que nous discutions de tout cela le plus tôt possible. Non, je ne veux pas discuter, je veux la couronne. Et pourquoi pas un pourcentage sur les 200 000 dollars pour mon silence. Le reste, je vous le laisse. Je veux juste récupérer mon bien. Nous pourrions nous voir dans une demi-heure, place de l'hôtel de ville. N'oubliez pas la couronne, surtout. Ce serait bête que vous fassiez deux fois le voyage. À bientôt, très cher. Des ennuis? Non, quelques petits détails à régler. Une vague histoire de mise en recouvrement. En général, j'évite ce genre d'affaires qui sont toujours un peu fastidieuses. Eh bien, c'est entendu, Altesse. La couronne vous sera livrée dans 2 heures à l'endroit convenu. Permettez-moi de prendre congé. Le temps de régler cette autre affaire. À dans 2 heures, donc. Sûrement sur une piste. Je ne vois que ça pour expliquer cette brusque confiance. Ou
alors elle sait d'une manière certaine que vous n'avez rien à voir dans cette histoire de couronne. Dans ce cas-là, elle sait aussi où est le joyau. C'est possible. Si vous croyez que c'est utile, je peux la faire prendre en filature. Non, je m'en charge, puisqu'elle me fait confiance. Très bien. N'hésitez pas à m'appeler. En dernier recours. Mmh. Ah, c'est ma station. Mademoiselle Masterson, s'il vous plaît. Elle a laissé un message pour vous. Elle vient juste de sortir. Merci. Allez chercher Frank. Willy, quelle surprise! Ah! Peu de gens ont le privilège d'interpeller un membre de la famille royale par son prénom. Voyons, Willy, j'ai fait trop de parties de pêche avec votre père et puis votre royauté n'est pas tellement ancienne. C'est en tout cas la seule lignée de Bosnie qui remonte directement au trône. Bien sûr, si vous ne comptez pas les petites fermières, les soubrettes en cours de parcours. Vous êtes irrésistible. La dernière fois que je vous ai rencontré, vous complétiez le patrimoine familial. Un château d'un côté, un château de l'autre. En effet, je pense que cela est de mon devoir de le faire. Et c'est votre sens du devoir qui vous a amené ici. Non. Enfin, c'est-à-dire que je suis en vacances. Et un peu en affaires, n'est-ce pas? C'est un interrogatoire. Non. Une petite mise en garde. Mm-hmm. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que c'est bien d'acheter quand on possède votre fortune, mais qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi. À bientôt. Je l'espère, Jack. Tout à l'heure, une dame blonde est sortie, Mademoiselle Masterson. Oui. Elle a dû prendre un taxi. Savez-vous où elle est allée? Montez, mademoiselle. Non, merci, monsieur Russell. Je me sens plus en sûreté au milieu de la foule. Allez, pas d'histoire. Montez. Vous voyez, la sécurité au milieu de la foule est très aléatoire. Qu'allez-vous faire? Aline, vous m'aviez habitué à plus de perspicacité. Croyez-vous sincèrement que nous allons vous répondre? Nous sommes loin du petit homme timide et tremblotant que j'ai connu. Ne jamais se fier aux apparences. Je vois que la perspective d'un meurtre ne vous fait pas perdre votre sang-froid. Un meurtre? Non, disons plutôt un suicide. D'ailleurs, je pourrais attester que vous étiez très déprimé dans les jours qui ont suivi le vol de la couronne. C'est la vérité. Vous êtes notre premier objectif. Le deuxième étant de remettre la couronne à son nouveau propriétaire. Il y a une voiture qui nous suit. Tu en es sûr? Oui. Accélère. Tourne à droite. Il est encore derrière nous? Non, on l'a semé, je crois. Thank you.
Pas trop mal. Vous vous servez d'une ombrelle? De mon charme. Vous êtes un charmant garçon. Et c'était très amusant. Je reconnais que je suis ravie de cette expérience. Je n'aurais jamais pu imaginer que le gérant d'un bar pouvait avoir des activités aussi équivoques. Mauvais pour votre réputation. C'est certain. Il y a une petite chose que je voulais vous demander. Dans la déposition qu'il a signée, Russell affirme que vous lui avez fait du chantage. Sans doute, oui, je n'ai jamais dit le contraire. Je n'avais pas le choix. Il fallait qu'il se découvre pour que vous puissiez lui mettre le grappin dessus. Ça a marché, non? Oui, ça a marché. C'était très astucieux comme plan. Qui est-ce? Oh, rien de bien important. Une de mes relations équivoque. Je vois que vous n'êtes pas rancunier. C'est une qualité que j'apprécie. Jack, j'ai quelque chose pour vous. La petite prime. Prenez-la. Non, c'est à vous qu'elle revient de droit. Je n'oublie pas que si j'ai trouvé la couronne de Bosnie, et si je suis encore ici pour en parler, c'est bien grâce à vous. Allez, Jack, prenez ça. J'insiste. Vol 405 à destination de New York. Porte 5. Embarquement immédiat. C'est mon avion. Voilà, monsieur Stuben avec la couronne. Au revoir, Jack. Ha 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 ha.